Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une astuce pour transformer ces anciennes tablettes, ces anciens smartphones tournant sous Android comme caméra de surveillance. Alors attention, il faut toujours prévenir si vous avez quelqu'un à la maison que vous le filmez, mais ça peut être très utile si vous partez en vacances et que vous n'ayez pas de caméra de surveillance, de transformer votre smartphone en caméra de surveillance. C'est une application spécifique et très simple d'utilisation et en 5 minutes, même pas, vous allez pouvoir transformer vos smartphones Android en caméra de surveillance. Et c'est parti pour la transformation. Voilà, donc comme je vous disais, c'est une application qui va... Application, transformer mon mobile en caméra de surveillance, Kawis. Donc, avec Kawise, Cawise. Vous allez donc télécharger cette application à partir du Play Store. Il faudra bien entendu que vous possédiez deux smartphones ou deux tablettes, puisque l'un servira de support de caméra. Et l'autre servira de support pour voir ce qui se passe à la maison. Par rapport à ce logiciel, ce qui est très simple, il faudra être connecté sur le même compte Gmail sur les deux smartphones pour que tout fonctionne bien. Une fois que vous aurez mis en place tout ceci, on télécharge l'application. Une fois que vous avez téléchargé Kawise sur votre smartphone ou votre tablette, vous l'ouvrez. Multipage, bienvenue. Une seule page. Moniteur. La première page vous demande comment vous voulez dédier cet appareil. Est-ce qu'il sera caméra ou est-ce qu'il sera votre appareil qui vous suit partout? Ici, je vais demander que cet appareil soit la caméra. Nom gaucher, caisse d'options. Moniteur. Nom gaucher, caméra de surveillance. Caméra de surveillance. Nom gaucher, caisse d'options. Gaucher. Ici, je l'ai coché en tant que caméra de surveillance. On est sur un Galaxy A5 2017. Donc c'est lui que je laisserai à la maison, branché en direction de la porte d'entrée, par exemple, pour surveiller tous les faits et gestes à la maison. On continue. Continuer. Bouton. Autoriser l'application Kawis à enregistrer des fichiers audio. Autoriser l'application Kawis à enregistrer des fichiers audio. Ce qui est vraiment formidable avec cette application gratuite, en plus, vous allez pouvoir enregistrer les fichiers audio et des fichiers vidéo des personnes qui pourraient se trouver chez vous quand vous n'y êtes pas. 1 sur 4. Refuser. Autoriser. Bouton. Autoriser l'application Kawis à prendre des photos et enregistrer des vidéos. 2 sur 4. Refuser. Autoriser. Bouton. Autoriser l'application Kawis à accéder à des photos, à des contenus multimédia et à des fichiers sur votre appareil. 3 sur 4. Refuser. Autoriser. Bouton. Autoriser l'application Kawis à effectuer et gérer des appels téléphoniques. Autoriser l'application. 4 sur. Refuser. Autoriser. Bouton. Service Google Play. Bienvenue dans Kawis. Vous êtes connecté à Google sous le compte vigotine@gmail.com. Chargement. Voilà, comme je vous disais, il faut absolument que l'adresse mail soit correspondante sur les deux appareils. On va lire tout ce que peut nous apporter Kawise. Transformer mon mobile en caméra de surveillance. L'appli gratuite qui transforme votre ancien mobile en caméra de surveillance. Nouveauté. Plus Zoom gratuit, l'application gratuite. Kawise est la solution idéale vous équiper d'un système de vidéosurveillance sans avoir à débourser un centime. Réutilisez votre ancien téléphone mobile Android ou votre tablette tactile comme caméra de surveillance sans fil. Aucune configuration technique, aucun frais d'installation. Gagnez du temps tout en faisant des économies. Une fois téléchargé, vous pourrez à tout moment garder un œil sur votre domicile, la chambre de votre bébé, votre animal de compagnie, votre chambre étudiante, votre commerce ou tout autre espace nécessitant une attention particulière. De n'importe où depuis l'application sur votre smartphone. Prêt à l'emploi demain. Téléchargez l'application Kawis sur l'ancien mobile ou la tablette que vous souhaitez transformer en caméra de surveillance. Téléchargez l'application Kawis sur le mobile que vous utilisez au quotidien pour visionner votre caméra de surveillance à distance.
Pérage et alimentation. Connectez-vous avec le même compte Gmail. Sur les deux mobiles. Branchez votre caméra de surveillance à une source d'alimentation. Fonctionnalité. Streaming vidéo HD en direct mode plein écran. Une fois que vous avez téléchargé les deux applications sur les deux appareils, vous allez les lancer. Alors attention, par rapport à la version gratuite, vous n'aurez le droit qu'à un seul appareil et certaines options ne seront pas accessibles. Il faudra donc passer par la version payante puisque la version gratuite ne permet que d'utiliser un seul appareil et d'utiliser certaines fonctionnalités. On déclenche. Kawis. Camera liste. Ici, comme vous pouvez voir sur l'écran, j'ai installé sur une tablette, donc la Samsung A10. Et on voit. Touche. Écran éteint. Samsung SMT580 en ligne. Un utilisateur. On voit sur le smartphone que l'appareil, je le valide. Camera view. Et vous voyez ici, maintenant, que l'image apparaît sur l'écran de la tablette et en même temps sur l'écran du téléphone. Vous avez donc transformé votre tablette en une vraie caméra de surveillance. Ce qui est vraiment pas mal. Ici, je vous fais montrer ce qui est vu par la caméra. Et ça, c'est vraiment super. Voilà donc, le logiciel Kawis permet de transformer vos anciens smartphones et vos anciennes tablettes en une vraie caméra de surveillance. Avec une possibilité en bas de prendre une photo, de parler à l'intrus qui pourrait se trouver chez vous, etc. Voilà donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette application. Transformez donc vos smartphones et vos tablettes en caméra de surveillance en très peu de temps, très simplement et en plus gratuitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez surtout à vous abonner pour continuer à suivre ces tutos et démos, de liker et de partager avec vos amis. A très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous !